Daniel Morin, vous remplacez Charline Vanhoenacker cette semaine. On me dit que vous appréciez énormément Valérie Pécresse. Mais absolument, Nicolas. Mais j'adore surtout ses indignations diplomatiques. En réaction à l'expulsion de l'ambassadeur de France en poste au Mali, la candidate Les Républicains s'est indignée et se pose des questions. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France? Bah oui, qu'est-ce qu'il faut encore là, l'ambassadeur? Nous, on expulse le nôtre et lui, tranquillou, il continue ses soirées Ferrero. Alors oui, c'est pas juste, sauf que ça fait 2 ans qu'il n'y a plus d'ambassadeur du Mali en France. C'est ce que s'est empressé de lui signaler le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Valérie Pécresse, avec un petit temps de retard sur l'actu, bon, c'est pas grave. Enfin, j'espère que c'est pas grave et que ce manque ne va pas empirer ce manque de repères dans le temps. Il faudra bien observer son comportement à l'occasion de sa prochaine interview quand même. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. Valérie Pécresse, certains observateurs s'inquiètent de vos manques de repères. Qu'en pensez-vous? C'est de la calomnie, voilà ce que c'est. J'ai toute ma tête. D'ailleurs, j'ai un mot de mon médecin que je montrerai demain dans le journal d'Yves Morosi. Mais c'est plus lui. Écoutez, soyez gentil, arrêtez de me couper la parole, Arlette Chabot. Je suis pas Arlette Chabot, je suis Léa Salamé. Ah, c'est vous Léa Salamé, ben, je vous félicite pas. Faire venir un rappeur dans votre émission, c'est bien, c'est ambitieux. Mais ce monsieur Vald, que je sache, ne figure pas au Hit Parade. Vous auriez pu vous mettre à la page et inviter une vraie star contemporaine du rap français. Vous avez de la chance, j'ai un 45 tours avec moi. J'ai un 45 tours avec moi, maintenant il faut le mettre. Voilà, Benny B, le futur, c'est ça l'audace, hein. Je suis à la page, elle n'a pas perdu la boule, mamie Valou. Madame Pécresse, Benny B, c'était en 90. Écoutez, je suis parvenu à l'ORTF pour me faire humilier. Je m'en vais. Quelqu'un peut me prêter de l'argent pour le taxi? J'ai besoin de 50 francs. Bon. J'espère en tout cas qu'on n'en arrivera pas là, ce serait bien triste pour Madame Valou. Merci Daniel Morin.